Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement le président de l'exécutif régional, Vergès, la présidente de l'exécutif départemental. Je ne suis pas venu dire à l'outre-mer français qu'elle a besoin de la métropole, alors que je pense que la métropole a autant besoin d'outre-mer que l'outre-mer de la métropole. Je crois qu'il faut que nous ayons la sagesse des deux côtés, qui n'en font qu'un puisque c'est la République. Une phrase qu'il a dit, il ne faut pas croire que la France soit une chance pour l'outre-mer. Je crois aussi que l'outre-mer est une chance pour la France. Je pense que c'est plus qu'une déclaration d'amour, c'est une déclaration et un engagement. Merci de me recevoir. Merci, c'est très heureux d'être chez vous. Et à partir de là, il y a une deuxième bataille. Les tarifs au départ sur la prise du pain. Le sentiment que j'ai, que la Réunion vit actuellement des moments particulièrement importants, nous sommes en train, avec le projet de programme établi. Il s'agit du lancement d'une nouvelle génération d'investissements majeurs pour le développement de l'île. Dans l'exiguïté de votre territoire, je vois l'opportunité d'inventer les technologies et les modèles économiques d'un développement durable qui préserve les ressources rares. Et ce contrat projet me paraîtrait incomplet s'il n'avait pas fait de la question sociale une question centrale. J'aimerais à cet égard évoquer la question du logement social, monsieur le ministre. Je disais à l'instant que la Réunion devra accueillir d'ici 2020 200 000 habitants supplémentaires. La production de logements sociaux est plus encore ici qu'ailleurs une obligation impérieuse. Il en va de la cohésion sociale.